Waouh. Déjà, le générique il est vraiment cool. Il est super beau. Et je suis juste trop hypée. Ah non, pas ça lag. Non, je me trouve ça lag. La croix, ça va, les petits jeux. Ah non, on voit rien, on voit toute la cinématique. Savoir qu'on vit, qu'il faut de plus en plus redescendre pour trouver son âme naissance. Ok, ça a l'air bon. Ah, du coup, je disais, ouais, depuis je sais pas combien de temps qu'ils ont parlé de. Enfin, qu'ils ont commencé à avoir des images un peu de ce jeu. J'avais trop hâte de tester quand j'ai vu qu'il y avait le créateur de perso. Parce qu'en vrai, même s'ils font pas un jeu, enfin, même si au final il n'y a pas de jeu, mais qu'il y a toujours le créateur de perso, de ce que j'ai vu en vrai, je trouve déjà c'est waouh. Wow. Moi parfois, il y a des jeux genre Once Human, même Hitog Wars Legacy, et des fois j'aimerais juste pouvoir accéder au créateur de perso pour créer plein de persos. Ce que je trouve trop cool. Alors. On va checker ça vite fait. Je peux passer une fenêtre à l'autre comme ça. Après, en vrai, c'est juste pour créer des persos. Donc, je pense que c'est pas non plus. Je pense que ça devrait le faire. Je crois que ça doit quand même déjà plus ou moins calibré par rapport à mon ordi. Je sais pas trop. En plus, il y a du français déjà, ça c'est top. Ici. Et du coup, par contre, Streamlabs, ils trouvent pas le jeu. C'est comme One Human, je vais filmer vraiment mon écran. Du coup, désolé, vous voyez tous mes trucs Windows éventuellement. Comme ça, ça a l'air pas mal. Même comme ça, en vrai. Hein. Ouais, je pense qu'on va rester comme ça. Quand je regarde sur Streamlabs, en vrai. Ça a l'air d'arriver plus ou moins à la moitié de ma voix. Peut-être un peu plus quand même. C'est compliqué hein, de. C'est pas du direct de faire les bons réglages pour que ça soit agréable pour vous. Bon. On va dire que c'est bon. Petit chat. Ah, j'avais pas vu. Pardon, mais. C'est tout bête, hein, mais. Le fait que ouais, ça soit comme ça, date de sortie, enfin, c'est un petit détail, mais c'est trop cool. Bon, allez, pardon. En vrai, je sais pas du tout par quoi commencer. Déjà, je sais pas, je pense qu'on peut
Enfin, peut-être que dans le premier temps, on peut juste créer des adultes. Je sais pas si on peut se créer des enfants, parce que sinon, en vrai, j'ai envie de créer plein de personnages de mes histoires et tout ça, quoi. Ça serait trop bien. Après, ce que je me suis dit, je pense que pour commencer, pour tester un tout premier perso, peut-être prendre un de mes persos en RP. Je pense que ça peut être une bonne base. Avoir un peu ce que ça donne, faut bien tester pour commencer. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Du coup, on va partir sur une cerisette. Créer un zoï. Non, c'est pas une cerise ça. Alors, ça, c'est quoi? Ok, on peut mettre des filtres. Après, il y en a qui sont pas mal. Ça a l'air plutôt classique pour se déplacer, assez intuitif. Mode photo, ok. Ça, j'ai pas. Peut-être appareil mobile. Ah, mais il n'y a que sur iOS pour le moment. iOS, si je dis pas de bêtises, c'est. Après, en vrai, j'ai ma tablette. Attendez. Excusez-moi, mais ça me donne envie de tester. Je trouve jamais l'appareil photo sur ma tablette. Donc, j'utilise pas pour ça, quoi. On va regarder. Oh, puis ça va vite. Alors. Waouh, ouais, ça capte vachement bien le visage. C'est flippant. Et j'ai un masque. Pendant que l'application Live Link est en cours d'exécution, appuyez sur le bouton réglage dans le coin en haut à gauche. Ouais. Ouais, c'est ce que ça s'est mis tout seul. Ajouter une cible. C'est où ça a ajouté une cible? Même si ça me le propose pas. Ah si, c'est ici, je crois. Ah, attendez. Je vais mettre ça 2 secondes, j'arrive. Mais je vais pas vous passer mes infos comme ça. C'est cool d'avoir directement l'option qui affiche.
Du coup, ça fonctionne. Ah, c'est. C'est bizarre parce que du coup, quand je regarde mon écran, elle regarde de côté. En vrai, je pense que je vais. Je sais pas où mettre ma tablette. Je pense que je vais la mettre comme ça. Du coup, comme ça, le perso il va parler en même temps qu'on le fait. C'est trop drôle. Ouais, c'est trop fun. Enfin, ça laisse tellement de possibilités pour. Après avoir. Parce que je pense que ça prend aussi pas mal de. De mémoire et tout ça. Mais en vrai, pour en faire peut-être un VTuber ou un truc comme ça. En vrai, pourquoi pas. Hein. Attendez, je vais juste mettre mes lunettes. Non, ça a pas l'air de gêner que j'ai des lunettes. Alors. Bon, Siri, c'est une jeune adulte. Par contre, je vais juste regarder un petit peu. Oh là là, ça me donne envie de créer mes. Ça me donne envie de créer plein de persos là, toutes mes histoires et tout. Bon, pour moi, c'est une jeune adulte. Jeune adulte, c'est quand t'as entre 20 et 30 ans. Alors. Ah oui, ça garde les cheveux. Sélectionner un trait de caractère. Waouh. Bon, je crois qu'on va la mettre. Par contre, je suis désolée, parfois ça capte un peu bizarrement les lèvres et du coup elle a l'air un peu gogole. Et du coup, ça va être moi, j'ai l'impression d'être un peu faux folle. Introvertie, innovante, sensible, créative, romantique. Ouais, bah voilà. Coexistence, accomplissement, autonomie, amour. Évite les conversations. Mais oui, mais c'est tout à fait moi, c'est tout à fait Cerise, c'est parfait. Vie désirée. Oh, c'est sympa ça. Studio, c'est quoi? Oh là là. En vrai, je pense que pour la création, on va laisser comme ça. Mais rien que de pouvoir choisir aussi le fond et tout ça, c'est plein de petits détails, expressions. Peut-être ça fonctionne pas parce que. Parce que je parle et tout et du coup ça capte mon visage à moi. Ok. Alors. Il y a plein de trucs ici dans l'apparence. Oui, je vais ranger ça parce que sinon, il y a des trucs de partout. Bon ben. Identité sexuelle. Hein. Ah, ça c'est bien aussi. Hein. Vous êtes jamais ici dans les Sims, c'est tout. Ça permet tellement de possibilités et comme ça tout le monde peut s'y retrouver. Par contre, j'ai mal au dos. Là j'ai cliqué ici, il y a des trucs, mais du coup ils sont plus forcément là. Comment ça fonctionne? C'est les vêtements. Ça, c'est les trucs prédéfinis. En vrai, je pense qu'on va partir sur un truc un peu prédéfini pour tester. Juste voir un petit peu qu'est-ce que ça propose. Je pense pour un premier, ça peut quand même pas mal aider. Bon, par contre, ouais, en fait, c'est comme je suis pas. Je suis pas vraiment en face de mon iPad, du coup, c'est pas toujours top top. C'est vrai qu'au moins avec un iPhone, ça marche mieux parce que c'est un peu plus petit. Là, mon iPad, si je le mets devant mon écran, je verrai plus rien.
Quand j'aurais envie de faire tous mes persos RP, hein, c'est terrible. En tout cas, il y a déjà un bon choix, hein, pour les premiers persos. Hein. J'en avais vu une qui me plaisait bien pour Cerisette. Ça, clairement, ça serait pour Sunny. Oh, faudrait que je fasse Phoebe aussi. J'ai envie de faire tout le monde. Après, je pense que j'ai un peu regardé comment ça fonctionne. J'ai pas non plus modifié des masses. Ça, après, il y a une petite vibe quand même asiatique, mais même pour Phoebe, ça peut être top. Attendez, laquelle j'avais dit pour... Elle est trop mims, j'aime trop. Oh là là, j'ai envie de faire 1 milliard de persos. Sinon ça en vrai, pour Phoebe aussi, ça peut le faire. Mais où est-ce que... Attendez, j'ai perdu, il y en avait une que j'ai vue, je me suis dit ça c'est bien. À modifier bien sûr, mais qu'il y avait une bonne base pour... C'est là je crois. Il y a juste le souci des lunettes. Quoi, peut-être qu'elle a les yeux un peu trop. Bon, après ça, en vrai, on peut le modifier. Hein. Si elle a des yeux un peu plus typés asiatiques, c'est pas très grave. Mais pour la forme globale du visage, en tout cas, c'est bien. Bon, on va partir là-dessus. Et j'ai même pas testé, genre, si c'était des. J'ai envie de trop tester aussi tous les mecs qui peuvent exister. Parce que quand même là, j'ai même pas cliqué sur tous les persos en vrai. Ouais, pardon. Je me grattais le nez du coup. Il pensait que ma bouche était pas au bon endroit. J'ai trop s'amuser à. Parce que ça se voit, enfin après je sais pas, peut-être sur une base de photos et tout, mais enfin tu vois que c'est pas des... Comme parfois tu peux avoir certains Sims, c'est des trucs complètement random qui sont moches. Pardon, mais elle a un visage tellement tout mignon et tout doux. Je sais pas qui je vais prendre pour Sunny en vrai. Ça va être compliqué. Je regardais un peu les persos masculins. Sont cool. Je dirais même parfois encore plus diversifié que. Voilà, ça quand ça sortira, ça va sentir, ça va, ça sent des heures à créer des jolis petits couples et tout ça là. Ok. Ouais, je pense qu'on va partir sur elle pour Cerise. On n'a pas encore vu le reste, hein. Ça tombe. Je vais encore changer d'avis. Ça m'étonnerait pas.
Ok, donc là on est dans les zones prédéfinies. Attendez, j'arrive, je renvoie un petit message. C'est vrai que là ma caméra du coup elle est pas bien en face. Genre comme ça c'est mieux. Bah. Genre je tire la langue. Trop mignon. J'aime trop. Coucou. J'arrive. Je te redis un truc sur visuel. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça c'est cool. Alors, on est parti. Donc, ouais, en vrai, à chaque fois, je pense que t'as les trucs prédéfinis pour le corps, le visage, et tu peux tous les reprendre, mais je pense que ça doit être les mêmes visages que tout à l'heure. Mode, édition de base. Oh, il y a un mode symétrie. Attendez, on va tester, surtout que je suppose qu'il y a le... Rosette qui fonctionne. Oui, bah je me gratte les yeux, ça me déforme tout le visage. C'est un peu compliqué. Donc le mode symétrie, c'est pas mal en vrai. Hein. Ça peut vraiment ajouter une petite touche parce qu'en plus on dit toujours qu'on n'a pas vraiment un visage symétrique. Cerisette. Est-ce que si je fais ça, elle louche? Alors, pardon, ça me fait trop rire de l'avoir bougé comme moi. En plus, je bouge tellement, je suis tout le temps, tout le monde, tout le temps en train de chipoter que ça bouge de partout. Bon, je pense que je vais peut-être pas exploiter le truc autant que je pourrais en mer. Je voudrais juste faire un truc en vrai. Je vais lui mettre des... C'est pas très joli, mais... Mais au moins comme ça, je vois bien... Je vois bien son visage. Ça c'est quoi? Bon, c'est les premiers tests, hein. Ils sont peut-être pas hyper concluants. Après, j'ai pas non plus osé toucher à trop de trucs, mais... Hop, comme ça.
montré qu'on a l'air de pouvoir faire quand même pas mal de trucs. Mais ça a quand même l'air d'être toujours quand même plus ou moins réaliste. Hein. Pas non plus avoir un œil qui fait. C'est quoi ça? J'ai pas vu ce que c'était. Ah, genre c'est les yeux plus fermés ou. Après, je pense quand je vois un truc pour les yeux, que possiblement, elle va peut-être avoir. Attends, bouge pas la bouche. Peut-être déjà aussi des yeux prédéfinis. On va regarder ça. Bon, ça clairement c'est pour Phoebe. Ça sera pour Sunny, je pense. Alors, oh, il y a un petit truc avec des mèches. Enfin, je pense qu'il y a une mèche, qu'on dirait. Après, il n'y a pas vraiment les cheveux cerisette. Bref, je veux dire que maintenant elle a quand même des longs cheveux cerisette. J'ai pas terminé. Je me pose justement la question. Heureusement qu'il y a un truc de confirmation. Eh non, mais par contre, mais si, le mettait pas en blanc, c'est dégueu. Même si c'est plus réaliste. Par contre, c'était pas censé s'appliquer à tout. Bon, c'est pas très grave. On va d'abord choisir la coiffure, on changera après. Hein. Ouais, en vrai, on peut peut-être partir là-dessus pour Cerise. Parce qu'elle a quand même des longs cheveux. Hein. Après, je me dis soit ça. Toi, j'aimais bien ça. Bon, ouais, sinon, en vrai, ça c'est pas mal. Couleur de base, blanc. Partir du full blanc. Personnalisés généraux. D'accord, c'est. Je vois. Pas pour la peau, cerise. En vrai, elle a une peau très très claire. Le mode symétrie. Bon, c'est un premier test, hein, on n'oublie pas. Est-ce que par exemple, les petites taches de rousseur, ça se règle où? Ok, il y a encore des trucs qu'on peut régler ici. Plus tout ce qui est ombre, tout ça. C'est pas mal, hein. En vrai, elle a quand même la peau très très claire, ça arrive normalement.
m'amuse. Alors, les yeux, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a plein de très beaux yeux. Est-ce que on a moyen de. Je mets ma main 2 secondes pour plus que ça capte parce que sinon j'arrive pas à bien voir les yeux. Je bouge trop mes yeux. En tout cas, c'est cool, il y a même des yeux qui font un peu. Spéciaux, mais en vrai, ça rend quand même vachement bien. Je me demande s'il y aura aussi du coup des modes un peu comme dans les Sims et tout, si eux déjà de même vont mettre pas mal de trucs. Bon, Cerisette, elle a les yeux un peu vert brun. Ouais. Je pense qu'on peut partir là-dessus. En plus, c'est cool, il y a aussi un truc avec les codes couleurs comme ça. Je pense que d'avoir les yeux plus ou moins comme ça. Quand je regarde sur mes dessins. Ouais, ça a l'air d'être plus ou moins ça. Et alors, les petits sourcils. Plus je regarde, plus je trouve que c'est pas déconnant les cils comme ça. Après, si elle met du mascara, de toute façon, ils seront noirs. On va la mettre comme ça. Ouais, par contre, du coup, les yeux, je vais quand même voir pour. Qu'elle n'est pas vraiment de double paupière qui fait aussi. Ouais, je trouve qu'elle a une vibe très asiate. Alors que Cerisette n'est pas forcément. Ça, je vais avoir du mal à le rectifier, je pense. J'ai pas les. J'arrive. Enfin, je maîtrise pas encore assez bien l'outil pour vraiment bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas dans les yeux. Enfin, tu vois, il y a les couleurs. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas aussi un outil, genre juste pour les yeux prédéfinis. Pour pouvoir changer un peu comme dans les Sims. D'avoir aussi les yeux prédéfinis, ça pourrait être sympa. Hop. Alors. Je réponds au message.
Alors, bah du coup, si j'ai fini avec les yeux, hop, on peut récupérer nous-mêmes. Et coucou. Bon. Mais par contre, le fait, par exemple, vous voyez qu'il y a des petites taches de rousseur et tout ça, peut-être que c'est dans le corps, du coup, ça. Je sais pas trop. Il y a quand même toujours cette petite touche qui fait un peu asiatique qui... Bon, ça me dérange pas tant que ça, hein, c'est pas grave. C'est parce que je pense pas que Cerise ait des racines, on va dire. Mais le fard à joues, il joue aussi sur les taches de rousseur, ok. Ce sont tous mes persos, les petites taches de rousseur. Phoebe en a de partout. Même Willow, elle en avait aussi. Ils ont juste pas tous les mêmes. Ça, c'est pour Phoebe. Je pense que Ceni, c'est plus comme ça. En vrai, je pense que je vais laisser comme ça reste assez naturel. Mais dommage qu'il n'y ait pas des yeux prédéfinis. Ça aurait été pas mal. Pour le maquillage, en vrai, je vais juste réduire l'intensité, que ça reste assez naturel. Parce que moi j'ai envie de modifier les yeux, mais peut-être que justement il y a une histoire ici de. Ouais, comme ça a l'air d'être un peu mieux. Pas encore convaincu à 100%, mais j'arrive pas trop à faire mieux actuellement. Ça, c'est comme pour les Sims, hein. À force d'en faire plein, on fait des plus jolis. Alors, laisse voir un peu ce que ça donne. Ok. Ouais, je pense que ça aurait un peu de muscle hein, quand même. Par contre, en vrai, quand on regarde comme ça, elle a vraiment une peau cadavérique. Peut-être changer un peu ça. Il y en a un peu toutes les teintes de peau. Oh, elles sont sympas, je pense. C'est cool aussi le fait qu'il y ait des prédéfinis, mais qu'on peut quand même partir sur ce qu'on veut comme.
Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Je teste un peu tout pour voir. Même si je pense que pour le corps en lui-même, on va rester sur des trucs un peu plus basiques. C'est un peu le test. Et en vrai, franchement, je pense qu'il y a moyen que je fasse aussi mes autres persos. Alors, excusez-moi, je réponds à des trucs importants aussi. Ça, c'est des tenues prédéfinies. Et ça, c'est quoi, personnaliser la tenue? Ah ouais! Ah ouais! Oh là là! Oh là, ça, c'est bien. On ira voir ça après. On regarde un peu les tenues prédéfinies. Cerisette, elle aime bien quand c'est moderne. Chaise qui est toute cassée, elle roule pas. Je pense qu'on va partir sur un... C'est quoi? Un des partenaires? Oui, pardon, je m'appuie sur... Quand je fais des trucs bizarres, souvent c'est que ma main est devant la caméra. Ok, bah soit on part sur sa tenue un peu de base, son sweat à capuche, soit qu'est-ce qu'elle a d'autre? Petit débardeur en vrai. Ça génère une texture hier, c'est quoi ça? Ça fait vraiment tout ce qu'on veut. Autant tester, hein. Ça fait partie du jeu.
J'ai pas un truc trop compliqué. Ok, en vrai, bon, c'est pas du tout ce que je voulais, mais. C'est pour pouvoir tester. Je regarde un peu mes dessins en même temps. Pourquoi j'ai mis ça, mais même des trucs. Par contre, ils sont quand même vachement crop top. En vrai, un t-shirt comme ça, j'aime bien aussi. J'hésite entre lui mettre un t-shirt. Ou alors un sweat. Non, je pense que le sweat, je le mettrai à Sunny. On n'a pas regardé les ensembles. Petite veste ou pas petite veste? En vrai, petite veste, possiblement un moyen de faire un truc un peu style Weasel. On va essayer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dégradés, donc pas sûr que ça passe bien. Bon, en vrai, ça va encore. Moi, je vais essayer noir, je pense. Par contre, du coup, pour le truc en dessous, partir plus sur du noir. Je peux vous recharger une texture? Je me pose juste la question. Je pense que c'est un genre de fichiers spéciaux. Ça pourrait être bien, du coup on peut éventuellement voilà, on peut être une image. Attendez, là ça m'intéresse.
J'ai testé un truc. Faut juste que je le retrouve. C'était donc quoi? Genre ça. Ouais, c'est dommage parce qu'on peut pas l'appliquer en une fois. Mais du coup, on peut importer un peu ce qu'on veut. Je regarde si j'ai des trucs qui pourraient être sympas en motif, mais je crois pas que j'ai grand chose. Là, comme ça, sous la main. Sur l'ordi là j'ai beaucoup plus des affiches ou sur tout ça. En vrai ça je sais pas que ça donnerait. Bon du coup c'est des blancs blancs. Ah, j'avais pas vu que derrière aussi les trucs. Mais sinon, j'ai envoyé à Ruru pour le fun. oui, bah du coup, je peux pas faire de capture comme ça. J'ai mon stream deck qui est un peu occupé. Hop, attendez, j'arrive. Je spammais tout le monde avec mes trucs. Non mais du coup je pense que je vais partir là-dessus. Dans un premier temps. Autant prendre des tenues un peu emblématiques, je pense, des persos. Après ouais du coup j'aurais pu prendre suite bleue, mais ouais, je vais avoir deux trucs avec des suites bleues du coup. Hein. Ça va faire un peu trop. Hein. Alors, on était où? Bon, à partir de ce pantalon blanc, du coup. Si on garde la tenue. Je vais voir les couleurs secondaires, je sais pas forcément ce que ça représente. Accessoires. Moi, pas lui mettre de chaussettes. Surtout qu'elles ont l'air assez hautes les chaussettes en vrai. On va voir avec les baskets. Qu'est-ce qu'on a comme basket? En vrai, elles sont plus ou moins comme ça. J'aurais bien voulu mettre la semelle rouge, blanche. Après, elle a pas ses lunettes. D'ailleurs, c'est où les lunettes?
On va mettre on va lui mettre ça. Bah ça va être dans accessoire à mon avis. Alors après, personnaliser la tenue. Ça fait quoi du coup? Je vois pas trop ce que ça a fait. Je sais pas trop comment on peut vraiment choisir ça. Bon, enquête à mener. Ok, mais genre là, il y a des trucs. Mais ouais, je sais pas trop ça. J'ai un peu du mal à bien capter ce que c'est. Bah ça veut dire qu'elle a pas de. Elle a pas de chapeau. Ça va pas sur sa tête. Par contre, elle a des lunettes. Ça oui. Est-ce que si je la passe comme ça va? La direction c'est mes rides. Ça la rend trop vieille. Je suis sûre sur les têtes, elle a un casque comme ça. Bois, les ongles, s'en fiche. Je sais pas comment ça fonctionne ça. C'est pour les sauvegarder. Après, si je peux juste moi les sauvegarder, moi, il est ok. Pourquoi j'ai plus de pause. Tout à l'heure il y avait des pauses, là j'en ai plus. C'est dommage. Ah si, elles sont revenues. Ah ça c'est bien. Ça elle bouge un peu. Comme toujours un peu les cheveux, je suis pas hyper convaincue à 100% parce que mais j'arrive pas à trouver vraiment les cheveux pour cerisette quoi. En vrai, je me dis, si elle se détache les cheveux, elle les aura comme ça, quoi. C'est quoi? Oh, capture de mouvement. Oh, wow, ça sera trop bien ça. Hop, hop. Cerisette.
La Mola. En attente d'un bébé. Ok, pour aller faire des vidéos. Teste un peu ce qu'il y a. Pour. Comment je fais la photo? Ok. Celle de ces photos. Capture faciale, option de caméra, format d'image. Ok. Bon, je pense qu'on va le laisser. Hein. Coucou. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme expression? C'est compliqué parce qu'en même temps si je regarde du coup j'ai pas la, ça c'est pas réaliste. Oh, j'ai les yeux fermés. C'est quand même pas très réaliste, ça. Ma mâchoire qui se déboîte complètement. Et donc du coup ça c'est quoi? Je pense que c'est une bibliothèque, plein de gens ont mis des trucs. Hein. On a comme hop là. Ça fonctionne. Hein. Alors, comment que ça fonctionne tout ça? C'est tout ce que j'ai déjà vu de ça, non? Je pense.
ce que je veux. Ça va être quoi comme format? Ça, non? Tester. Je vais pas tout mettre, mais bon, ça a un petit profil, hein. Ok. En vrai, franchement, j'aime bien. Quelques petits trucs peut-être qui pourraient être encore plus détaillés. Mais sinon, en vrai, franchement, c'est top. Et ça fait quoi si ça fait une nouvelle famille si je fais ça? Ah non, on peut créer qu'un seul Zoï. Ah non, je suis tristesse. J'aurais donc lui faire aussi Sunny ou même Phoebe. Je pense que j'aurais même peut-être plus simple. Je crois que Sunny ça aurait été la plus simple. Parce qu'il y a déjà tellement de. Comment de. Trucs prédéfinis. Enfin, de personnages prédéfinis justement qui sont un peu typés comme ça asiatiques. Je pense que ça aurait été plus simple. Je sais pas moi. Ah bah nickel, j'allais dire, je sais pas si on voit un peu des petits trucs. Oh bah, ville américaine, bien sûr, pour Cerise. Ça a l'air trop joli ça aussi, mais après je sais pas si on peut vraiment déjà y jouer, donc on va dire ça pour tester. Après en vrai je l'ai mis dans le canevas, donc en vrai je pourrais en supprimer et en refaire. Bon, peut-être que je ferai ça, je verrai, je vais peut-être tester comme ça tranquillement de mon côté. Bah, en tous les cas, franchement, moi j'aime plutôt bien. J'ai hâte de voir tout ce que ça peut donner. Surtout après la partie gameplay, justement. Ouais, tout. Voir tout ce qu'ils ont montré. Parce qu'en vrai, c'est un peu comme les Sims. C'est, je veux dire, les Sims, c'est déjà tellement vaste et en même temps, ça pourrait être encore même plus complet, voir un petit peu aussi.
Si là il y aura peut-être un côté multijoueur ou pas, si on a plusieurs persos, un seul à la fois, les interactions, comment elles sont gérées et tout ça. Enfin, je pense qu'avec l'évolution de la technologie, il va y avoir des trucs vraiment intéressants. Mais ouais, curieuse de voir tout ça. On verra bien ce que ça donne. Et je pense que s'il y a des. Comment? S'il y a des nouveautés du côté de ce jeu, je pense que. Je retesterai ça avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas, parce qu'en vrai, franchement, on peut quand même créer des persos infinis. Bah, faut juste peut-être supprimer le premier, mais si on arrive à le mettre sur Canvas, là, ça va permettre un souci. Et après, sinon, bah, tant pis si on perd un peu son perso, je sais pas, mais c'est l'occasion un peu de tester tout ce qu'on peut faire. Je fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, j'espère que ce petit stream vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt. Des bisous.